Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ces rencontres qui ont pour thème les politiques aux prises avec la crise sanitaire. Je suis donc Rosane Le Saint, journaliste indépendante essentiellement pour Mediapart. Je suis spécialisée en santé, donc j'ai beaucoup travaillé sur le Covid-19 depuis un an et demi. Mes interlocuteurs, c'est plutôt les médecins, les épidémiologistes, les scientifiques qui ont un prisme très très sanitaire des prises de décisions politiques. Ils ont été écoutés par le pouvoir quand ça servait son propos, puis plus forcément, les libertés individuelles, en revanche, ne sont pas toujours au premier rang de leurs préoccupations, alors que ces questions, évidemment, se posent à l'heure des confinements et puis de l'imposition du pass sanitaire, à présent conditionné à une troisième dose pour les plus âgés, comme l'a annoncé Emmanuel Macron hier. Depuis un an et 9 mois, on vit au rythme de la crise sanitaire et des états d'urgence. On le ressent un petit peu moins aujourd'hui, mais si on se replace il y a un an, on vivait un deuxième confinement avec restriction des libertés de circulation, couvre-feu, interdiction de sortir au restaurant. L'actualité Covid-19 a pris le dessus, mais on a tendance parfois à oublier qu'avant la pandémie, on avait déjà connu l'état d'urgence terroriste, si bien que sur les 6 dernières années, la France en aura passé la moitié sous état d'urgence. Alors ce soir, on va essayer de comprendre ce que ça implique en termes de prise des décisions au plus haut sommet de l'État, ce que ça dit de notre démocratie et puis de la défense de nos libertés. Pour nous éclairer, nous avons 3 spécialistes de l'analyse des prises de décisions politiques avec nous. Donc Stéphanie Hennette-Vaucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Olivier Boras, directeur de recherche au CNRS, bonsoir. Et directeur du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Et puis Henri Bergeron, également directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po en politique de santé publique. Vous avez d'ailleurs écrit tous les deux l'ouvrage « Le Covid-19, une crise organisationnelle aux presses de Sciences Po ». Alors, avant de nous concentrer sur la question des libertés individuelles avec Stéphanie Hennette-Vaucher, on va commencer par le commencement, finalement, par la prise de conscience de l'arrivée de la crise sanitaire et de ce que ça a impliqué en termes de construction de la décision politique dans l'urgence. Olivier Boras, dans votre livre, vous décrivez une impréparation du pouvoir face à la pandémie. Quels sont les éléments révélateurs de cette impréparation, finalement ? Alors, en fait, cette impréparation, elle est paradoxale parce que cela faisait quand même de nombreuses années que la France se préparait précisément à ce type d'événements. Alors, en l'occurrence, une pandémie, mais aussi à d'autres types de phénomènes pouvant conduire à des crises. Donc, on avait un arsenal relativement développé d'agences, de plans, de dispositifs divers et variés pour répondre à ce type de situation. Et pourtant, effectivement, on est surpris par la réponse qui a été donnée au mois de mars par le gouvernement et ce sentiment d'impréparation, alors qu'on a qui s'exprimait à la fois par la question des masques, qui est très vite apparu, donc il est très vite apparu que les stocks de masques n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qui avait été prévu. La non-activation aussi de plans, notamment le plan pandémie grippale de 2011, qui était précisément. C'était prévu pour ce type de situation, pas exactement ce type-là de pandémie, mais qui aurait pu tout à fait effectivement être utilisé. Et au contraire, donc une très grande forme d'improvisation dans les organisations, dans les réponses apportées au mois de mars en particulier au sommet de l'État. Donc il y avait effectivement un sentiment de réinvention. Alors qu'on disposait de tous les outils, donc on a cherché effectivement dans notre livre à essayer de comprendre un peu pourquoi et comment on en est arrivé là. Ce qui est clair, c'est que plusieurs facteurs ont pu jouer. Il y a clairement eu, mais la France n'est pas isolée de ce point de vue-là, il y a clairement eu une forme de déni de la situation, de la gravité de la situation dans les mois de janvier-février, qui était lié à la fois au sentiment que cette épidémie elle était lointaine, qu'elle concernait d'abord la Chine, qu'elle n'arriverait jamais chez nous, que nous étions prêts justement. Donc il y avait, et c'est ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'en fait il y avait derrière ce sentiment d'impréparation, il y avait en fait un excès de confiance dans les outils dont on disposait. On pensait effectivement avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire face à ce type d'événement et puis de toute manière on a le meilleur système de santé au monde. Donc voilà, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Donc il y a eu effectivement une forme de déni. Probablement aussi lié au souvenir de 2009, de H1N1, et donc l'idée d'une surréaction à l'époque qui était considérée comme un échec, et donc la volonté de ne pas reproduire la même erreur et de ne pas surréagir à ce qui finalement
semblait être probablement quelque chose de relativement limité. Un sentiment effectivement d'être face à quelque chose de connu aussi. Dans le livre, on reprend le concept de notre co-auteur François de Dieu qui parle de risque scélérat, c'est-à-dire qu'on est face finalement à un risque qu'on reconnaît. C'est-à-dire tous les ans, à cette époque-ci, on a des virus qui apparaissent, qui suscitent l'inquiétude, et puis finalement ça se calme, ou alors ça s'exprime ailleurs, dans des territoires lointains, d'outre-mer ou des territoires même étrangers. Donc il y avait le sentiment que ça n'est pas arrivé chez nous, et les choses s'emballent à partir du mois de mars. Et dans la mesure où on n'a pas justement activé les plans, dans la mesure où on n'a pas activé les dispositifs de crise, à part au ministère de la Santé, eh bien il faut de façon très rapide réagir, et là dans la réaction on a une improvisation, donc avec la création du conseil scientifique et puis ensuite avec mise en place du conseil de la cellule interministérielle de crise, et là aussi on monte dans l'ouvrage tout un ensemble de nouvelles cellules qui sont rajoutées pour essayer de répondre à cette situation inédite. Et finalement, au lieu de s'appuyer sur l'existant, on va très largement réinventer tout un dispositif relativement complexe quand même. On montre qu'il y a un nombre assez vertigineux d'organisations qui vont être créées en très peu de temps, qui vont susciter quand même des vraies difficultés de coordination, qui vont conduire finalement, et je terminerai là-dessus, tous les acteurs dans les ministères, les agences ou ailleurs qui s'étaient préparés à travers des plans et des exercices à gérer la situation, à être face à quelque chose de totalement inédit, c'est-à-dire non pas le virus lui-même, mais l'organisation de crise mise en place au sommet de l'État pour y faire face. Et donc là aussi, il aura fallu, dans les différents ministères, dans les différentes organisations publiques, inventer aussi une réponse adaptée à ce qui s'était mis en place au sommet de l'État. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, c'est vrai que vous, experts, vous connaissiez déjà l'Agence nationale de la sécurité du médicament, la ANSM, le Haut Conseil à la santé publique, la Haute Autorité de la Santé, enfin c'est beaucoup de sigles qui avaient en eux beaucoup d'experts aussi prêts à affronter la situation. Pourquoi le pouvoir ne s'est pas appuyé sur l'existant, et pourquoi est-ce qu'il a créé le Conseil scientifique pour appuyer ses décisions? Dans quelle mesure, finalement, la crise sanitaire a aussi été une crise organisationnelle que vous décrivez dans votre livre? Alors, là aussi, plusieurs... Alors, ce qu'on dit dans le livre, c'est que le geste qui consiste à créer un organisme ad hoc pour conseiller l'exécutif n'est pas inédit. Et dans le livre, on s'appuie beaucoup sur l'exemple de Kennedy en 62, qui, au moment de la crise des missiles du Cuba, crée l'EXCOM, donc qui est une structure ad hoc, là aussi, pour le conseiller. Et le souci de Kennedy en 62, comme de Macron l'an dernier, est effectivement de se doter d'une structure qui ne représentera pas les intérêts des agences, des structures existantes, parce que justement, ils pensent que ces structures vont imposer leur lourdeur, leurs conflits, leurs intérêts, leur façon de voir, et qu'au contraire, ils veulent garder une certaine agilité. Et c'est un thème à la mode avec Emmanuel Macron, comme on le sait. Mais à ça s'ajoute quand même, dans le cas de Macron, une très forte forme de défiance par rapport à sa propre administration. Alors à la fois administration de crise, il est important de voir que en France, on a une organisation spécifique, la sécurité civile, qui est normalement conçue, prévue pour ce type d'événement et qui a été très largement mise de côté dans la gestion de la crise, ou en tout cas reléguée à des actions d'intendance secondaires, donc en tout cas qui n'a pas. Donc voilà. Et donc là, il y a une vraie défiance par rapport à cette structure. Et dans le livre, on montre que cette défiance, elle remonte probablement à la tempête Irma en 2017. Donc Emmanuel Macron vient d'être élu. Édouard Philippe est son premier ministre, et durant l'été, une tempête détruit Saint-Martin, Saint-Barth. Et cette crise a été, de l'aveu de beaucoup d'acteurs, très mal gérée. Et Emmanuel Macron et Édouard Philippe, entre autres, ont tiré une forme d'absence de confiance dans la sécurité civile, et donc à partir de là, ils ne sont plus appuyés là-dessus. Donc il y a ça. Et puis plus largement, chez Emmanuel Macron, on le sait depuis son élection, il y a une forme de méfiance par rapport à l'administration, une volonté effectivement d'ouvrir, de rendre tout ça plus fluide, plus flexible. Et il a le sentiment que cette administration est beaucoup trop lourde et beaucoup trop incapable de faire preuve d'agilité, de réactivité face à un phénomène aussi massif, aussi soudain. Alors vous, Henri Bergeron, ce qui vous intéresse en particulier, c'est le rapport entre la science et puis le politique. Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi l'exécutif donc a créé ces nouveaux organismes, et puis qu'est-ce que ça dit finalement de son rapport à la science. Ça a été un tout petit peu évoqué par
par Olivier. Et j'ajouterai un élément qui est important aussi dans l'effet de précipitation. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont hérités du passé, sur lesquels le gouvernement actuel n'a que peu de responsabilités. Puis il y a d'autres éléments qui lui appartiennent un peu plus en propre. S'il s'est retrouvé aussi en situation de devoir réagir très vite, c'est parce qu'il s'est mis lui-même d'une certaine manière dans la seringue, si je peux prendre cette analogie vaccinale. Notamment parce que, souvenez-vous, on est dans une séquence politique très particulière. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des manifestations contre la réforme des retraites. Ce projet de réforme des retraites n'est pas du tout anecdotique politiquement. Il est certainement la réforme sur laquelle le président Macron voulait à l'époque construire son bilan de réformateur. Souvenez-vous que l'un des premiers conseils des ministres avec à l'ordre du jour en priorité le Covid-19 est aussi celui qui va accorder au gouvernement la possibilité d'utiliser le 49-3. Donc on reste quand même très tourné vers ça. Donc ça, je pense que ce sont des éléments aussi qui expliquent pourquoi c'est pas clair comme hypothèse. Enfin, ça reste encore une hypothèse, c'est pas clair. Est-ce que les agences sanitaires se sont auto-censurées? Parce que c'est pas facile de sonner le tocsin dans une situation pareille. Il va y avoir des élections municipales qui sont importantes aussi. Un premier tour, il va y avoir cette réforme des retraites. Ou est-ce que le gouvernement a été sourd, en plus des éléments qui ont été apportés par Olivier? Donc il va créer ce conseil scientifique dans l'urgence. Sur la base d'un groupe qui a été réuni plus largement et qui se réunit une première fois, juste avant le week-end où tout s'accélère, 7-8 mars, il y a des photos, ils sont 40, personne n'a de masque, on est à l'Elysée. Et il va créer, à partir de ce groupe-là, un conseil scientifique. Et nous, on y voit vraiment la volonté de s'octroyer une capacité de décision autonome. Donc, un petit groupe, vous ne faites pas monter à la table des négociations, tu l'as dit, un ensemble de structures qui peuvent arriver avec leur point de vue, leur cadrage, leur solution, déjà toute faite, c'est comme ça, leur compétition. Et donc, il y a pour nous dans ce geste la volonté de se créer une capacité de décision autonome, qui est une illusion, parce que finalement, la symétrie de connaissances va être telle entre, d'un côté, ces scientifiques qui sont directement en contact d'informations qui émanent des centres les plus durement touchés. C'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est les deux centres de référence, Bichat et la Salpêtrière, et les informations qui remontent sont des informations qui viennent de services dans lesquels, effectivement, c'est la catastrophe, et c'est la catastrophe aussi à plusieurs âges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après un moment, à l'Assemblée, Emmanuel Véran s'est énervé plusieurs mois après en disant « mais vous ne vous rendez pas compte, moi j'ai été dans les services hospitaliers et j'ai vu ». Et c'est vrai que quand on est à la proximité de cette information-là et qu'on voit un jeune dans un état déplorable en salle de réanimation, eh ben, on est marqué et on peut, ce qu'on dit nous, on peut servir une perspective qui est une perspective très alarmiste. Donc, ils veulent créer une capacité de décision autonome. Très vite, finalement, ce conseil scientifique va être certainement dominant. On a plusieurs éléments empiriques qui nous permettent de soutenir cette hypothèse. Va devenir dominant parce que c'est vrai que c'est pas facile de prendre une décision à ce moment-là quand vous-même vous n'êtes pas encore très équipé en connaissance sur cette pandémie. Et finalement, le conseil scientifique aura dans ses premiers moments de la décision aura un ascendant cognitif certain vis-à-vis du triumvirat, hein, puisque comme le centre interministériel de crise ou la pandémie grippale qui l'aurait aussi activé n'est pas monté, le ministère de l'Intérieur n'est pas encore dans le jeu. Donc voilà, on crée pour se donner de l'autonomie et finalement on se retrouve pieds et mains liés avec des experts qui sont en possession de connaissances et d'informations que vous n'avez pas forcément et qui, de ce point de vue-là, exercent un ascendant cognitif certain pour structurer la décision. C'est vrai qu'il a été reproché à l'exécutif au tout début de ne pas prendre suffisamment de mesures lors du week-end des élections municipales notamment. Et puis ensuite, l'exécutif a écouté le conseil scientifique, puis plus du tout. Quand est-ce que vous marquez l'un ou l'autre, vous allez répondre à votre guise, le point de rupture? Quand est-ce que Emmanuel Macron décide de plus forcément suivre les conseils du conseil scientifique?
Donc il y a cette première période du confinement avec une relation d'interdépendance très forte entre le conseil scientifique et le triumvirat que sont Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Olivier Véran. Cette interdépendance, elle se manifeste, comme je le disais dans un premier temps, par le fait qu'Emmanuel Macron écoute le conseil scientifique, mais à l'inverse, elle se manifeste, interdépendance, donc dépendance réciproque, dans le fait que le conseil scientifique est, pour dire le moins, très précautionneux quand il s'agit de s'exprimer sur la possibilité de la tenue des élections municipales. À ce moment-là, on a vraiment une relation d'interdépendance forte. Il n'existe pas d'autres, peu d'autres points d'expertise. Mais au fur et à mesure que le temps va avancer, on va rentrer dans une gestion qui est moins élitaire, moins concentrée autour de ce triumvirat de membres du gouvernement, enfin président et membre du gouvernement et du conseil scientifique, pour aller dans une situation où le Haut Comité de Santé publique qui siège à partir du 16 mars au sein du conseil scientifique, puis d'autres institutions comme la HAS, etc., vont commencer eux aussi à produire des expertises. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron peut se retrouver. L'interdépendance se relâche. Ce qui permet à Emmanuel Macron, qui prend à ce moment-là aussi directement, on pourrait dire, l'habitude de contacter les scientifiques en direct. Hein. Bon, il y a eu l'événement Raoult, mais il y en a eu. On connaît beaucoup d'autres scientifiques qui ont été contactés directement pour former le président et pour l'éclairer sur un certain nombre de détails scientifiques, y compris en épidémiologie. Didier Raoult, qui faisait partie du conseil scientifique au tout départ et qui l'a quitté. Voilà, qui avait été membre, mais qui n'a pas siégé. Donc Emmanuel Macron s'émancipe du conseil scientifique et à l'inverse, le conseil scientifique, du coup, s'émancipe. Et c'est pour moi le point marquant, c'est quand Emmanuel Macron décide le 21 avril de rouvrir les écoles contre l'avis du conseil scientifique qui, cette fois, n'a pas sa parole muselée. Le 21 avril 2020. Tout à fait. Qui, cette fois, n'a pas plus sa parole muselée puisque la relation d'interdépendance s'est relâchée. Autant elle est muselée concernant les élections municipales, ils sont interdépendants, autant c'est beaucoup plus lâche. Après, en termes de la relation lâche, j'entends, et là, le conseil scientifique peut prendre plus de liberté. Donc on voit bien comment les relations de pouvoir sont des modulateurs de la liberté d'expression, y compris scientifique. Et puis alors, c'est vrai qu'après ça, on a vu réapparaître les avis du Haut Conseil à la Santé publique ou de la Haute Autorité de la Santé, et on a aussi eu le sentiment que l'exécutif piochait à sa guise entre toutes ces différentes instances de santé publique. Pour le grand public, ce n'était pas forcément évident de s'y retrouver. Il y avait un sentiment que les scientifiques se contredisaient avec cette science à la carte. Qu'est-ce que ça a pu impliquer aussi, cette confusion dans les esprits qu'ont eu les personnes sur les contradictions entre les scientifiques, selon vous? C'est vrai qu'il y a un acteur. Alors, pour répondre, il y a quand même un acteur qu'on n'a pas encore évoqué dans le tableau, mais qui a joué un rôle très important aussi, qui est la Direction générale de la Santé, donc le professeur Salmon. Donc, le professeur Salmon, on se rappelle surtout de lui pour ses discours tous les soirs annonçant les taux de mortalité. Mais il a joué un rôle très important. C'est quelqu'un de très proche d'Emmanuel Macron, donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Hein, politiquement, il est très proche d'Emmanuel Macron. C'est quand même le ministère de la Santé. Hein, Oui, voilà. C'est le ministère de la Santé, mais au sein du ministère de la Santé, la DGS, qui est traditionnellement une direction faible par rapport aux grandes directions qui s'occupent des hôpitaux en particulier, cette fois-ci a joué un rôle très important, effectivement. D'abord pour, dès le mois de janvier-février, s'approprier l'alerte. Donc c'est la DGS qui va commencer effectivement à répondre aux signaux d'alerte, mais qui ne va pas déclencher le plan pandémie grippale, qui ne va pas demander à activer la CIC. Donc la DGS s'approprie cette crise. Et aujourd'hui encore, on a encore, vous dit, une gestion de la crise qui est divisée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Donc, c'est très particulier, cette gestion. Donc, je dis ça parce que, en fait, ce qui a étonné beaucoup d'acteurs, en fait, du système de santé, notamment beaucoup de directeurs d'agence, c'est qu'on a un moment, il existe une instance qui réunit tous les directeurs d'agence, pilotée par la DGS, et qui aurait dû fonctionner durant cette période, c'est-à-dire que le DGS réunisse régulièrement tous les grands directeurs d'agence pour pouvoir se coordonner. Bon. Or, il n'a jamais activé cette instance, il a continué effectivement à avoir des relations bilatérales avec les uns et les autres. Donc il y a vraiment une volonté effectivement d'éviter que ce système s'organise et puisse effectivement peser sur les décisions de telle manière à garder le maximum de liberté du côté de l'exécutif.
donc du côté d'Emmanuel Macron, mais aussi quand même du côté du ministère de la Santé. Donc ça, c'est, et donc effectivement, ce qui a permis ensuite ce caractère, enfin en piocher les données, rappelez-vous aussi les indicateurs utilisés ont cessé de changer. Et on est passé du R0 au taux de mortalité, au taux d'hospitalisation, au nombre de contaminations. On n'a pas cessé effectivement à la fois de produire une masse de chiffres, mais en même temps, suivant les moments, de changer l'indicateur, de fixer des seuils différents, d'être dans quelque chose qui ne permettait pas de donner des repères. Et donc, ce qui, effectivement, donnait cette illusion, et je pense qu'il était voulu, d'une très grande réactivité. Mais la contrepartie, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre importante, et ça a été le cas avant l'été, mais après surtout à l'automne, on avait toujours le sentiment que les décisions étaient prises, je veux dire, au dernier moment. Ce qui pour nous reste, alors dans le livre, on n'en parle pas parce que le livre est sorti, a été écrit avant, mais c'est vrai que la situation à l'automne 2020 est une situation très étonnante parce que finalement, on retrouve durant l'été et le début de l'automne tous les signes de déni qu'on avait observés au début d'année 2020. Mais dans la mesure où il n'y a pas cette continuité dans les indicateurs, dans les mesures, d'une certaine manière, on recrée les conditions de décision dans l'urgence en octobre, de la même manière qu'il y a eu la décision d'urgence en mois de mars. Et c'est ça qui est frappant. Et après, on reproduit encore le même phénomène en janvier. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas un système qui inscrit une continuité. La continuité, elle est assurée par quelques individus, essentiellement Emmanuel Macron et puis le professeur Salomon. Mais pour le reste, le système ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, l'instance centrale de décision, c'est le Conseil de défense et de sécurité. Sa composition est à la main du président de la République, qui décide qui vient, qui ne vient pas. Donc il y a quelque chose d'éminemment instable, au sens, voilà, il n'y a pas une stabilité dans les lieux, dans les instances, dans les procédures de décision. Et donc à l'automne 2020, la situation sanitaire devient tellement grave que le sentiment, c'est qu'on n'a plus le choix, il faut reconfiner. Stéphanie Hennette Vaucher, Emmanuel Macron, hier, j'ai pensé à vous, a qualifié ces prises de décision de proportionnées. Vous allez nous dire si ça a juste raison. D'habitude, il y a que les juristes comme vous, finalement, hein, pour nous rappeler que les restrictions de liberté doivent être prises en fonction de deux critères. Est-ce que c'est proportionné et puis est-ce que c'est justifié? On a eu tendance parfois à l'oublier au cœur de la pandémie, tant on avait l'impression que l'impératif sanitaire primait. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ces deux notions et comment elles ont été peut-être un petit peu oubliées, notamment au tout début de la pandémie? Oui, effectivement, c'est un peu le principe de base, la règle pour le régime général des libertés publiques en démocratie, dans l'état de droit, c'est qu'en effet, toute restriction aux libertés doit a priori faire l'objet de toute une série de justifications, parmi lesquelles, effectivement, le caractère proportionné, hein, on ne va pas... employer des moyens déraisonnables pour un risque minime, etc. C'est évidemment un critère très important. C'est intéressant que vous posiez la question du sens qu'on peut prêter à l'usage de ce terme par le président de la République hier soir, parce qu'en réalité, on peut comprendre que quelque chose est proportionné ou disproportionné, ou se faire une idée sur le sujet, lorsqu'en fait, on dispose des critères d'évaluation des critères de mesure. Et ça renvoie en fait à ce que vous venez de dire, c'est que pendant toute cette pandémie, les critères n'ont cessé soit d'être tus, soit d'être changés, de sorte qu'en réalité, l'action publique, d'une certaine manière, a toujours réussi à échapper d'une certaine manière à des formes d'évaluation de son action et a fortiori de mise en responsabilité au sens de mise en responsabilité politique de son action. Parce que précisément, c'est difficile de dire qu'une mesure est disproportionnée quand on ne sait pas quelles sont les alternatives disponibles, quels sont exactement les indicateurs qui permettent d'évaluer la gravité de la crise à ce moment par rapport à 3 mois avant ou aux projections 3 mois après. Donc effectivement, y a en fait ici un peu un grand brouillage. Donc quand le président de la République nous dit hier que c'était à propos au tout départ, pour dire nous avons pris les mesures qui ont été... De manière générale, je suis navrée, j'ai pas pu l'entendre hier soir. Vous avez loupé peut-être la première minute. Donc voilà, de manière générale, est-ce qu'on peut dire que la réponse à la crise sanitaire a été proportionnée? Je pense
que c'est un blanc-seing qui serait donné un petit peu facilement. Si on prend quelques mesures emblématiques, alors par exemple le confinement généralisé de la population, bon, ce qui ne souffre pas de doute, c'est qu'il s'agissait d'une mesure tout à fait inédite. Est-ce qu'elle était proportionnée? Je pense qu'on ne peut pas raisonner de la même manière sur, par exemple, le premier confinement de mars, où en réalité, on a effectivement une situation d'impréparation, la nécessité peut-être effectivement de stopper un certain nombre de processus, ne serait-ce que pour organiser la réponse de l'action publique. En revanche, il est effectivement très frappant que cette mesure soit revenue à plusieurs reprises. Et on peut s'interroger aussi, indépendamment de son principe, sur les modalités qui l'ont accompagnée. Par exemple, le fait que la mesure de confinement ait été accompagnée du système d'autodéclaration, c'est quelque chose qui peut tout à fait être interrogé, qui n'a pas du tout été majoritaire dans les très nombreux pays qui ont recouru au confinement. D'autant que la France avait fait le choix dans la loi du 23 mars 2020 et les suivantes qui ont défini l'état d'urgence sanitaire de sanctionner très durement le non-respect des mesures de confinement, puisqu'on avait un système d'amende forfaitaire avec une amende aggravée et puis surtout un délit, c'est-à-dire avec une possibilité de peine pour une violation réitérée une troisième fois du confinement. Et ça, c'est quelque chose dont on peut véritablement discuter le caractère proportionné. Et là encore, par exemple, en jetant un regard comparatif sur les autres pays où des dispositifs aussi durs ont été véritablement très, 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 très rares. À cela, on peut ajouter non seulement donc il y a la mesure de confinement, ce qui l'entoure en termes de sanctions. Et puis après, on peut ajouter encore ce qu'on sait aujourd'hui sur les modalités concrètes, empiriques, dans lesquelles le contrôle s'est manifesté. Et malgré tout, il y a quand même beaucoup de remontées, de données sur des modalités de contrôle très inégales selon les territoires de population, très inégales selon les types de population, avec une surexposition au contrôle et donc à la sanction de populations, notamment sur des territoires plus défavorisés, où donc on va avoir une plus grande proportion soit de personnes pour qui le confinement à domicile est réellement problématique, soit de personnes qui sont des travailleurs de première ligne et qui donc du coup, par la force des choses, sont toujours plus en délicatesse, en limite par rapport à la question de la circulation dans l'espace du confinement, où on a aussi vu dans l'outre-mer des régimes extrêmement durs. C'est très très frappant de voir la manière dont l'état d'urgence sanitaire a pu être décliné sur certains territoires ultramarins. J'ai souvenir, parce que bon, chacun a les occupations qu'il peut en période de confinement. Moi, je lisais des arrêtés préfectoraux et le journal officiel toute la journée. Ça m'a bien, bien occupé. J'ai lu des arrêtés préfectoraux en Outre-mer où on pouvait avoir des confinements ou des mesures de quarantaine qui portaient sur des villages entiers. On a eu des mesures, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises qui sont clairement en délicatesse avec les critères légaux, constitutionnels, avec des mesures de quarantaine qui ont pu ne pas faire l'objet d'un contrôle du juge judiciaire, ont pu être prolongées sur des durées très longues. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment eu un différentiel territorial dans la manière dont tout ça a été appliqué. Donc je pense que dire tout ça a été parfaitement proportionné, c'est quand même une réponse très simple à en réalité une question qui a de multiples étages et qui passe à la fois par le principe, par les modalités de contrôle et par l'application empirique dont ce régime de confinement a fait l'objet. Et puis alors vous, votre travail, c'est justement de qualifier ce qui est proportionné et ce qui ne l'est pas. Mais les Français lambda, humains lambda, ont eu leur notion de la liberté publique et des libertés individuelles qui ont changé aussi au fur et à mesure. Tellement on a été habitué à avoir des restrictions de liberté que peut-être on était moins apte à les défendre. C'est vrai qu'on n'aurait pas pensé vivre un couvre-feu il y a encore 10 ans. Et puis quand on a eu ce troisième confinement au printemps 2021, on a eu l'impression que c'était un confinement light finalement, alors qu'on était quand même dans une situation où on ne pouvait pas sortir après telle heure, etc. Comment vous avez réussi à peut-être, non pas à vous adapter, mais à faire comprendre que malgré notre
changement de mentalité au vu de la situation sanitaire, il fallait encore prendre en compte des critères objectifs. Alors, moi, je sais pas. Moi, je suis juriste. Je me permettrai pas de dire qu'il y a un changement de mentalité ou que les gens, de manière générale, finalement, aujourd'hui, acceptent des restrictions de liberté qu'on n'aurait pas acceptées il y a un an et demi. Je le placerai plutôt sur un terrain qui est un peu inusuel et qui tranche peut-être avec le caractère très policier d'une certaine manière, hein, qui a été le registre dominant de la réponse à cette crise sanitaire, qui est en fait la très grande observance de la population. Moi, je trouve que je ne sais pas si c'est une docilité coupable. En revanche, je crois que c'est important de dire qu'il y a aussi une observance civique très grande qu'on a pu remarquer dans le fait qu'effectivement, il n'y a pas eu, ou de manière très marginale, de révolte, de mouvements de contestation très puissants ou de rébellion par rapport à ces différents régimes successifs. Et cela étant dit, pour répondre à votre question, je crois qu'une manière dont il est très important de réfléchir à tout ce qui nous est arrivé en termes de restrictions de liberté, c'est de dire que, en fait, un peu comme ce que vous avez décrit sur les aspects un peu institutionnel ou organisationnel, c'est-à-dire que en fait on a d'une certaine manière grosso modo mis sur la touche les institutions ou les procédures existantes, ben, en fait c'est exactement la même chose qui s'est passé en termes d'état de droit et de liberté, c'est-à-dire qu'on a mis de côté le fonctionnement normal de la démocratie. On est rentré dans un régime qui s'appelle l'état d'urgence sanitaire, qui n'est pas du tout un régime anodin. Un régime d'état d'urgence, c'est quelque chose de très précis. Ça a une origine historique précise. C'est la loi d'état d'urgence de 1955 qui avait été votée pour répondre à ce qu'on appelait alors l'insurrection algérienne et qui allait devenir la guerre d'Algérie, qui a été réactivée, bon, à plusieurs reprises, mais pas très souvent, jusqu'en 2015, et surtout donc en 2015, qui est resté en vigueur pendant 2 ans pour l'état d'urgence antiterroriste. On nous a dit, bon, 2 ans, c'était long, voilà, mais enfin, quand même, le terrorisme, c'est tout à fait exceptionnel, etc. Bon, on va lever l'état d'urgence, on a levé l'état d'urgence plus ou moins. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à la prochaine crise, la crise pandémique, bah, le réflexe du gouvernement, c'est encore de dire, bon, bah, on va suspendre le fonctionnement normal de la démocratie et on va faire un état d'urgence sanitaire cette fois-ci. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le pouvoir est véritablement donné à l'exécutif. Parce que l'état d'urgence, l'idée, c'est véritablement de dire que c'est le pouvoir exécutif, le gouvernement, le président de la République évidemment, et ses représentants sur le territoire, donc les préfets, qui ont la possibilité de prendre des mesures administratives, d'accord, donc des mesures de restriction de la liberté de circulation, de fermeture des commerces, etc. Mesures administratives, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle a priori par un juge judiciaire, alors que normalement, les atteintes à la liberté individuelle, la Constitution les place sous l'autorité du juge judiciaire. Donc là, c'est vraiment une dérogation, hein. C'est un processus administratif. Et donc, c'est vraiment le centre de gravité du pouvoir. Il est donné au pouvoir exécutif. Et donc, en fait, on contourne, enfin, de la même manière que ce que vous avez décrit, c'est vraiment un processus de dessiner des voies nouvelles d'action. Et le problème, c'est que on a un centre de gravité du pouvoir à l'exécutif, on a une évasion ou une esquive des procédures habituelles de contrôle qui va avec l'état d'urgence, et on a un régime, c'est sa fonction, qui permet en fait des mesures massivement restrictives des libertés. Donc voilà, il y a vraiment, à mon avis, aujourd'hui, qu'en effet, depuis novembre 2015, on a vécu plus de la moitié du temps sous état d'urgence, c'est-à-dire qu'en fait, on a vécu plus de la moitié du temps sur un fonctionnement anormal de la démocratie. Je crois en effet que là, il y a un moment où il est très important de se poser, de mettre ça sur la table. Et d'une certaine manière, on a des échéances électorales qui arrivent. Je pense que c'est quand même important que ces questions-là soient sur le débat. On nous appelle, enfin, on nous promet une crise climatique qui est déjà là en vérité. J'entendais le secrétaire général de l'ONU il y a quelques mois qui appelait les États à déclencher l'état d'urgence climatique. Bon, moi, à titre personnel, je suis assez réservée. Je ne suis pas absolument certaine que ce soit la manière la plus souhaitable d'envisager le gouvernement des crises.
Parce que finalement, cette banalisation de l'état d'urgence que vous décrivez, dans quelle mesure ça peut avoir des débordements au-delà même du contexte exceptionnel pour lequel cet état d'urgence à la base a été créé? Parce que là, c'est vrai que l'état d'urgence a été encore prolongé jusqu'au 28 juillet de cette année. Ça s'allonge encore, on s'habitue, mais quels peuvent être les débordements hors crise sanitaire, par exemple? En fait, on sait très bien, on documente les états d'urgence, il y a eu beaucoup de travaux sur ces deux états d'urgence successifs, antiterroristes 2015-2017 et sanitaires depuis mars 2020, en fait, on le sait que ça déborde. Un état d'urgence, vous le déclenchez contre le terrorisme et vous allez prendre plein de mesures qui, en fait, n'ont aucun rapport. Je peux donner beaucoup d'exemples. Tout le mouvement Nuit Debout a été géré sur le fondement de la loi de 1955 sur l'état d'urgence. Pas grand rapport avec le terrorisme. Le démantèlement des camps à Calais, des camps de migrants, a été géré par la préfète sur le fondement des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi relative à l'état d'urgence. Tout le mouvement social, au moment de l'adoption de la loi travail en 2016, a été géré à la fois nationalement et localement sur le fondement de pouvoirs pris sur l'état d'urgence de 55. Aucun rapport, tous ces trois exemples, avec le terrorisme. On observe exactement la même chose avec l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire nous a mené donc dans cette première expérience de confinement qui a pris fin le 11 mai. Vous aurez peut-être souvenir que au début du mois de juin, il y a un certain nombre de manifestations qui ont lieu, notamment en solidarité au mouvement Black Lives Matter suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Beaucoup de ces manifestations sont interdites, et non seulement les manifestations en elles-mêmes sont interdites par le préfet de police, mais encore... Il y a un des décrets de l'état d'urgence sanitaire qui vient changer brutalement le régime juridique de la manifestation. C'est-à-dire qu'en France, depuis un siècle, disons, une manifestation, il suffit qu'elle soit déclarée en préfecture. Et pour l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement avait dit, pendant l'état d'urgence, on va faire un régime d'autorisation préalable. C'est-à-dire que ne peuvent avoir lieu que des manifestations, pas simplement déclarées par les organisateurs, mais autorisées par l'autorité administrative. Et il se trouve que le Conseil d'État a jugé que c'était disproportionné, que ça n'était pas justifié pour des motifs sanitaires, qu'il y avait d'autres moyens de gérer la dimension sanitaire dans un rassemblement de personnes sur la voie publique. Bien, dès le lendemain de l'annulation du décret par le Conseil d'État, le gouvernement a repris un décret en ajustant un peu la chose, mais pour maintenir un régime d'autorisation préalable. Donc vous voyez que, par exemple, une liberté comme la liberté de manifestation est directement impactée par l'état d'urgence sanitaire, ce qui ne coule pas nécessairement de source. Donc on a en fait ces phénomènes de contamination. En fait, un état d'urgence, c'est une sorte d'habilitation pour l'ensemble de l'appareil administratif d'État à prendre des pouvoirs, à prendre des mesures dont d'habitude ils ne jouissent pas parce qu'ils sont massivement restrictifs des libertés. Et donc, en réalité, cette habilitation, elle se diffuse. Des autorités à qui on donne une habilitation, elles ont tendance à s'en saisir. Et donc, on sait très bien que l'état d'urgence, que ce soit l'état d'urgence antiterroriste ou sanitaire, finalement, très vite, est utilisé pour poursuivre des finalités qui n'ont pas grand rapport avec les raisons qui ont justifié ou légitimé le déclenchement de l'état d'urgence à l'origine. Vous abordiez tout à l'heure donc les fameuses attestations de sortie, les punitions en cas d'infraction des couvre-feux ou des confinements. Est-ce qu'on peut essayer de regarder un petit peu à l'international? La pandémie, par définition, est mondiale, et ce qui nous permet aussi de comparer, puisqu'elle est arrivée d'un coup dans beaucoup de pays. Est-ce que, par rapport à nos voisins européens, il y a une particularité de gestion de crise de la part de l'exécutif français? Olivier Bourras, je crois que vous aviez travaillé sur cette question. Enfin, on a un peu effectivement regardé cette question. Alors effectivement, je dirais qu'il y a ce qu'on a observé, c'est qu'un certain nombre de pays qui avaient autant investi que la France dans la préparation à la gestion de crise ont eu recours, eux aussi, quand même à des mesures d'exception ou à des organisations d'exception. Donc voilà, on n'est pas les seuls à avoir créer de nouveaux dispositifs ou mis de côté ce qui avait été prévu. Donc ça, c'est un premier élément de distinction. C'est, il y a des pays qui sont appuyés sur ce qui avait été prévu, qui ont respecté les cadres législatifs, les prérogatives des agences, et d'autres, la France, la Suisse et quelques-uns d'autres, l'Angleterre, qui ont improvisé ou créé de nouvelles organisations. Donc ça, c'est un premier élément.
Effectivement, il se trouve que je m'intéresse actuellement au cas de la Suède, qui est un cas très intéressant, parce qu'effectivement, la Suède est peut-être le pays en Europe qui a le plus respecter tous les dispositifs qui avaient été conçus au départ pour gérer une crise de cette nature. Donc on a une agence indépendante qui est l'agence de santé publique suédoise qui, de par la loi, a des pouvoirs importants, des pouvoirs réglementaires importants. Donc c'est pas juste une agence d'expertise, elle produit des textes réglementaires. Eh bien, cette agence, effectivement, a très largement géré la crise, notamment dans les premières parties, même encore aujourd'hui, elle continue à prendre effectivement l'essentiel des décisions, alors que dans tous les pays voisins, quand même, Norvège, Danemark et Finlande, à des degrés divers, avec des dispositifs parfois relativement similaires, le politique a pris la main. Et c'est aussi un des rares pays européens où il n'y a pas eu de confinement. Voilà, justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que donc, à la fois, on a d'un point de vue institutionnel un pays qui a grosso modo respecté le cadre réglementaire, et même le cadre constitutionnel, avec des principes forts de liberté individuelle, de responsabilisation, et d'autonomie locale aussi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment respecté. Alors que les pays voisins, eux, au contraire, le politique a pris la main et a plus ou moins violemment mis de côté l'expertise scientifique. Au Danemark, ça a été très violent. C'est-à-dire que, voilà, le politique a pris la main et dit, voilà, hop, on met de côté les experts et c'est nous qui allons prendre cette décision de confinement. Et effectivement, donc, dans cette démarche suédoise, l'autre grande différence avec les pays voisins et la plupart d'autres pays européens, c'est d'avoir justement d'emblée et jusqu'à maintenant promu une démarche de santé publique. Donc, consistant effectivement à ne pas se centrer exclusivement sur une pathologie, en l'occurrence la Covid, et en luttant contre celle-ci, en écartant tous les autres, mais au contraire en essayant de replacer à chaque fois les mesures prises contre cette maladie. On regarde d'autres maladies, d'autres priorités de santé publique, avec aussi également une démarche de d'analyse de risque, donc d'identifier les populations à risque, de cibler les actions sur les populations à risque, ce qui est là aussi tout à fait logique dans une démarche de santé publique. Donc on était vraiment sur une démarche de responsabilisation, une démarche de santé publique où on identifie des populations à risque, et une démarche où, effectivement, on va chercher à informer, mais il n'y a pas de mesures contraignantes. Et ces mesures contraignantes sont arrivées très tardivement, finalement, à l'automne. Et encore, elles sont quand même restées quand même relativement limitées par rapport à ce qu'on a pu connaître ailleurs. Donc il y a eu, effectivement, une démarche qui est intéressante. Alors je ne me prononce pas, on pourra après discuter des chiffres, mais je ne me prononce pas sur qui a gagné, qui a perdu, qui avait raison, qui avait tort. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, enfin, certains pays, quand même, n'ont pas jugé, comme vous venez de dire Stéphanie, n'ont pas jugé nécessaire de mettre de côté un cadre législatif. Alors même des pays, et je dirais que même la Finlande aussi, elle aussi, quand même, a tenu effectivement à respecter sa constitution. Donc elle a pris des mesures fortes, mais néanmoins dans le respect des principes constitutionnels. Et c'est là, effectivement, où un pays comme la France et d'autres voisins se démarquent quand même dans cet état d'urgence qui est venu un peu remplacer, suppléer le fonctionnement normal, ordinaire de la démocratie. Donc il y a une approche très policière de la crise en France versus une approche très santé publique en Suède, avec, ne cachons pas, des gros ratés en Suède aussi. Hein, ils le disent eux-mêmes. Voilà, les maisons de retraite ont été un énorme raté. La population immigrée en Suède était un énorme raté. Donc voilà, c'est pas une success story que je suis en train de vous dépeindre. Hein. Ils reconnaissent, mais parce que leur dispositif, effectivement, avait des trous dans la raquette, pour prendre une métaphore que j'aime pas trop, mais bon. Il y a eu des ratés. En même temps, voilà, on ne peut pas dire non plus que la France ou la Belgique ou l'Espagne et d'autres ont particulièrement réussi la gestion de la pandémie dans les maisons de retraite. Donc, enfin, mais voilà. Donc mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait, j'insiste là-dessus, je termine là-dessus, et ça revient à ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on nous dit le confinement est la seule solution possible. Et dans le livre, on dit que nous-mêmes, mis dans la même situation que les experts, nous aurions pris la même décision. Donc voilà, donc il ne s'agit pas de dire, maintenant, ils ont eu tort, bon. Avec le recul, ce que montre le cas de la Suède notamment, et d'autres cas, c'est qu'en fait, il y avait des alternatives. Voilà, on aurait pu peut-être faire autrement. Alors, il ne s'agit pas de dire on s'est trompé. Non, mais il s'agit de dire, voilà, comment la prochaine fois qu'on est face à une situation similaire, qu'elle soit de nature sanitaire ou environnementale ou autre, on évite effectivement d'emblée de fermer toutes les options
et de n'en retirer qu'une seule. De la même façon, c'est comme ça aussi qu'on a présenté l'imposition du pass sanitaire comme la seule option au point où on en était. Et c'est vrai que vous m'expliquez qu'en Finlande, la défense des libertés publiques a empêché la mise en place d'un pass sanitaire. Henri Bergeron, qu'est-ce qui, selon vous, dans le processus de prise de décision, a créé autant de défiance en France et notamment dans la décision de mettre en place ce pass sanitaire? Pardon, excusez-moi. Déjà, je remercie beaucoup Stéphanie parce que c'est des éclairages très intéressants, très complémentaires. Je vois plein de liens à faire. D'ailleurs, je serais vraiment curieux d'avoir son opinion sur le rôle qu'a joué le Conseil d'État et si une réforme du Conseil d'État, en plus d'une réforme constitutionnelle, serait pas aussi quelque chose d'intéressant. Hein. Il est quand même très ambigu. Joue-t-il vraiment son rôle de contre-pouvoir ? Donc ça, je vous poserai la question, parce que je pense que c'est un point important, enfin, en tout cas, moi, qui m'intéresse. Oui. Un des points, à mon sens, qui a caractérisé, à notre sens, la gestion de la pandémie en France, c'est finalement qu'Emmanuel Macron a poussé le tropisme présidentialiste de la Constitution à son extrême. La gestion de crise, comme le montre la littérature de sociologie historique sur d'autres crises, dans d'autres endroits, dans d'autres temps, favorise hein, cette volonté de monopoliser cette gestion. Mais je pense que là, dans le cas de la France, ça a été vraiment extrêmement poussé, extrêmement fort. Donc c'est vraiment un geste où l'État central, un geste régalien, il s'affirme de manière très forte. D'ailleurs, en France, on a à la fois ce concept, bien sûr, il y a l'ordre public, mais il y a la sécurité sanitaire. Quand vous parlez avec un spécialiste anglo-saxon de santé publique, le terme de sécurité sanitaire n'existe pas. Pour eux, ça rentre à l'intérieur du domaine de santé publique, mais on parle éventuellement de la santé des médicaments, hein, medicine safety, mais on ne parle pas de sécurité sanitaire. Donc je pense que ça, c'est très révélateur. Le problème de ça, on en a beaucoup parlé avec Olivier, et c'est aussi une idée qu'il défend depuis longtemps, c'est que quand vous clamez haut et fort à la tribune une volonté de monopoliser la gestion de crise, quand vous clamez haut et fort à la tribune que c'est vous qui êtes en charge de la sécurité, vous créez des espérances, des attentes dans la population qui, dans ce genre de situation, par définition, ne peuvent pas être honorées. Et donc vous créez peut-être ce qui est en train de se passer avec un certain nombre de... Alors je ne connais pas du tout quel est l'état du contentieux dans d'autres pays, ce serait intéressant de voir, mais en France, voilà, il s'est déjà considéré comme étant, il y a pas mal de plaintes qui ont été déposées, y compris devant la Cour de justice de la République. Donc ça, c'est quand même un point qui a certainement contribué à approfondir une défiance qui est ancienne, une défiance qui est pas mal liée aussi à l'histoire sanitaire de la France. Mais d'une manière générale, les travaux montrent que la jurisprudence sur des années, vous pourriez beaucoup mieux en parler que moi, n'a cessé de renforcer le rôle de l'État central dans la gestion de la sécurité sanitaire. Et on connaît depuis 30 ans toute une série de scandales qui n'ont pas forcément eu d'équivalent dans d'autres pays. Je pense, on est en train de terminer un livre avec une chercheuse américaine sur la comparaison. Pourquoi il y a eu un scandale du sang contaminé en France et pas aux États-Unis, alors qu'il y a eu aussi beaucoup d'infections qui ont été la conséquence de mauvaises décisions, on va le dire comme ça, dans le circuit de la décision concernant la transfusion, le système de transfusion sanguine. Vous avez eu aussi, bien sûr, autre crise qu'on a étudiée, celle de la canicule. Vous avez eu aussi beaucoup de morts en Italie. Ça n'a pas... Donc il y a vraiment une situation de méfiance par rapport aux autorités on pose cette hypothèse, il faut encore l'étayer, qu'on lie à cette volonté de monopoliser la gestion de cette crise et dire l'État c'est moi, et dire c'est moi qui vous protège. Du coup, ça invisibilise complètement tout ce que... Regardez comment on juge la gestion de la crise en France dans l'espace public. On la juge à l'aune de ce que l'État a fait et n'a pas fait. C'est pas du tout comme ça que ça ressort. Moi, j'ai un peu regardé et discuté avec un collègue allemand. En Allemagne, on parle de ce qu'on fait, évidemment, bien sûr, les Länder, par la Constitution, elle a très peu la main à la fois sur les politiques de santé publique et sur les politiques
politique d'offre de soins. Donc elle était obligée de négocier avec les lenders, avec l'effet inverse que parfois il y a eu des décisions non homogènes entre lenders qui, d'un point de vue de la santé publique, étaient un peu des inepties. Il reste que très peu d'initiatives locales ont été mises en avant dans l'espace public, si ce n'est celle de la coopération formidable entre réanimateurs médicaux et anesthésistes réanimateurs. Voilà, on les a tous applaudis. Ça, ça a été très, très médiatisé. Mais sur le terrain, énormément d'acteurs associatifs pour assurer la continuité de la prise en charge des personnes handicapées, des personnes souffrant d'addiction, toutes sortes de pompiers ou je ne sais quoi, ont œuvré pour, collectivement pour gérer cette crise avec plus ou moins de félicité. Mais c'est très peu vu, donc forcément on se retourne vers l'État et on reproche à l'État de ne pas avoir assumé ce rôle de protection là où les responsabilités sont de facto beaucoup plus distribuées. Et alors effectivement le Conseil d'État est censé être un garde-fou des prises de décision de l'exécutif. Un des exemples forts qui a démontré finalement ses limites, ça a été aussi l'été dernier, quand le Conseil d'État a dû se prononcer pour la mise en place du pass sanitaire et que finalement quasiment tout le projet du gouvernement est passé. Est-ce que vous pouvez, à la lumière de cette décision, nous expliquer dans quelle mesure le Conseil d'État finalement a beaucoup validé les décisions de l'exécutif pendant cette crise sanitaire ? Oui, alors le Conseil d'État, d'abord, il faut peut-être préciser qu'il intervient à deux titres principaux. D'abord, le Conseil d'État, il intervient comme conseiller de l'État, c'est-à-dire qu'il donne son avis sur tous les projets de loi qui sont présentés par le gouvernement. Or, toutes les lois d'état d'urgence sanitaire, les lois de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, les lois d'enrichissement de l'état d'urgence sanitaire avec le pass, etc., sont des projets de loi qui ont donc donné lieu à des avis du Conseil d'État. Puis il intervient d'une autre manière, puisque le Conseil d'État, c'est aussi le juge de l'action publique, le juge de l'action administrative. Et donc, les décisions prises par les autorités administratives peuvent faire l'objet de recours en justice devant le Conseil d'État. Et à ces deux titres, le Conseil d'État a en effet été en première ligne d'une certaine manière, enfin, c'est une expression qui aujourd'hui signifie autre chose, mais en première ligne de l'état d'urgence sanitaire sur les avis qu'il a rendus sur les projets de loi, effectivement de fait, aucun de ces avis n'a été frontalement négatif sur le principe ou les modalités ou les extensions de la logique de l'état d'urgence sanitaire. Sur le plan du contentieux, alors contrairement à ce que j'ai fait avec l'équipe de recherche du Centre de droits fondamentaux de Nanterre sur l'état d'urgence antiterroriste, je n'ai pas fait une étude exhaustive des décisions de justice, donc je ne sache pas que quiconque en ait faite. Donc voilà, c'est difficile de donner une appréciation absolument analytique, disons. Mais ce qu'on a observé malgré tout en suivant une large part du contentieux, c'est que le Conseil d'État a quand même rendu beaucoup de décisions par lesquelles il a validé des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire. Le confinement de la population, le fait de ne pas enjoindre à des distributions de masques, de produits, l'interruption des messes, enfin, bon, alors, même si évidemment il y a eu des évolutions dans le temps, mais le Conseil d'État a quand même validé beaucoup des décisions, à telle enseigne d'ailleurs que sur ce point précis, il a vu son action honorer des attentions de la grande presse. Vous aurez peut-être souvenir d'un numéro, je crois, de mars 2021, si je ne me trompe pas, du magazine hebdomadaire du Monde, qui a fait un numéro entier sur le Conseil d'État et qui donnait des chiffres en disant qu'en gros, sur 800 recours, il y avait eu une petite dizaine de décisions de justice défavorables, c'est-à-dire où le Conseil d'État sanctionnait l'action publique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de... Voilà, est-ce que... mansuétude, problème, contre-pouvoir. Je crois que, encore une fois, si on veut analyser l'action du Conseil d'État, et d'ailleurs, il faudrait aussi analyser l'action d'autres contre-pouvoirs, hein, le Conseil constitutionnel, on pourrait aussi analyser l'action d'autres pouvoirs, comme le Parlement, hein, y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas,
leur action doit être analysée, comprise, encore une fois, dans ce cadre très spécifique de l'état d'urgence. Dans ce cadre très spécifique de l'état d'urgence, on sait par exemple que pendant l'état d'urgence antiterroriste, il y a donc eu 6 fois une prorogation, donc des lois de prorogation de l'état d'urgence. On sait qu'à partir de la 4e fois, le Conseil d'État a commencé à dire quand même il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps cette affaire, etc. Malgré tout, il a toujours rendu des avis positifs, tout en rappelant qu'il ne fallait pas que l'état d'urgence s'inscrive dans la durée. Donc évidemment, ce que nous on voit, c'est-à-dire le fait que voilà, y a un avis positif ou globalement positif sur le principe de l'état d'urgence, voilà, ça ne préjuge pas. Nous on ne sait pas l'étendue des débats internes qu'il y a, mais quand même c'est vrai que on se rend compte que voilà, de par cette dualité très spécifique qui est propre au Conseil d'État, qui est d'agir à la fois comme conseil de gouvernement et comme juge de l'action administrative, bah effectivement dans ce contexte-là, dans un contexte d'état d'urgence où il est quand même difficile, et vous l'avez dit aussi, difficile de sonner le tocsin, difficile d'aller à l'encontre de cette volonté politique extrêmement affirmée et à certains égards brutal, c'est effectivement très difficile d'exister en tant que contre-pouvoir dans un contexte politique et institutionnel et juridique qui est celui de l'état d'urgence. Et bon, voilà, je peux détailler sur le Conseil d'État, mais à vrai dire, on peut dire la même chose sur le Conseil constitutionnel. Qui a donc décidé aujourd'hui, par exemple, que ça n'allait pas être possible pour les proviseurs d'établissement d'avoir l'information directement de qui est vacciné et qui n'est pas vacciné parmi leurs élèves. Ouais. Et effectivement, alors on peut effectivement, y a quelques points sur lesquels le Conseil constitutionnel a pu invalider certains aspects spécifiques de l'état d'urgence. Donc celui-là, bon, à vrai dire, il est peut-être plus surprenant que le Parlement ait estimé possible de donner l'accès des informations, des données personnelles sensibles de santé à des proviseurs, que d'être surpris par le fait que le Conseil constitutionnel le sanctionne. Mais il y a eu d'autres aspects, effectivement, de sanctions ou de réserves apportées par le Conseil constitutionnel sur le régime des quarantaines, par exemple. Mais de la même manière, ce qu'on observe, c'est que le Conseil constitutionnel n'a pas frontalement mis en cause, mis en question, en fait, le point de départ, c'est-à-dire est-ce que le régime d'état d'urgence, est-ce que le choix d'une réponse par des mécanismes totalement dérogatoires à une crise telle que la crise pandémique était véritablement justifié? Et ça, je pense que c'est quand même la question qu'on pourrait poser, effectivement, au contre-pouvoir de manière générale, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. C'est aussi la question qu'on peut poser au Parlement et aux parlementaires. Moi, je trouve que c'est très, très frappant de voir que... Je parle toujours des deux états d'urgence en même temps, parce que je crois que c'est vraiment, vraiment important de comprendre cette continuité. Entre 2015 et 2017, je l'ai dit, à 6 reprises, le Parlement a voté, et très souvent avec des majorités très importantes, la prolongation de l'état d'urgence antiterroriste. Et quand l'état d'urgence antiterroriste a finalement pris fin le 1er novembre 2017, c'est simplement parce que le Parlement avait accepté d'adopter la veille une loi qui s'appelle la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, dont l'objet était de transposer 4 des piliers de l'état d'urgence antiterroriste dans le droit commun, de sorte qu'aujourd'hui, les autorités administratives ont des pouvoirs, à titre habituel, dont autrefois elles ne jouissaient que dans les périodes exceptionnelles où on était sous état d'urgence. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec l'état d'urgence sanitaire. Il a été déclenché... Bon, disons avec la loi du 23 mars 2020, on est en novembre 2021. Alors, il y a des jeux de mots, les parlementaires ou certains ministres nous disent qu'on n'est plus sous état d'urgence, que l'état d'urgence a pris fin une première fois le 10 juillet 2020 et une deuxième fois le 1er juin 2021. En réalité, c'est véritablement un tour de passe-passe, parce que depuis donc que le dernier régime de confinement couvre-feu a pris fin le 1er juin 2021, en fait, là encore, la veille a été adoptée une loi qui est la loi du 31 mai 2020 et qui est une loi qui maintient au gouvernement à peu près tous les pouvoirs de l'état d'urgence à la réserve du confinement.
et qui a été vite complété par la loi du 5 août qui a étendu considérablement le pass sanitaire et qui vient encore d'être étendu dans le temps. Donc on est quand même vraiment dans des régimes exceptionnels sur la très longue durée. Sur la très longue durée, donc un peu oublié votre question, je suis désolée. Si, on en était, moi-même, je l'ai oublié. Oui, non, c'était pour dire que le Parlement lui-même, en fait, ouais. accompagne le mouvement beaucoup plus ouais. qu'il ne s'affirme comme un des lieux de la contestation, du freinage, voire même de la demande de reddition de comptes. Il est très frappant, il y a un rapport sénatorial qui est très intéressant, qui date de... les dates se mélangent, mais enfin, qui date du premier temps de l'état d'urgence sanitaire, hein, vraiment la sortie du premier moment vraiment dur de l'état d'urgence sanitaire. Il y a un rapport sénatorial qui est très intéressant, qui est extrêmement critique vis-à-vis de l'action du gouvernement, mais ça mouline un petit peu dans le vide. C'est-à-dire qu'aucune conséquence n'en a été tirée, à ma connaissance, à aucune échelle. Et on voit que des dispositifs de contrôle de l'action gouvernementale qui avaient été mis sur pied, notamment à l'Assemblée nationale, pendant les premiers mois de l'état d'urgence sanitaire ont été discontinués. Enfin, voilà, on a vraiment un Parlement qui, malgré tout, est beaucoup plus dans l'accompagnement de l'action gouvernementale que dans le contrôle, le freinage, le contre-pouvoir. Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, la faiblesse de ces contre-pouvoirs, que ce soit le Parlement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, ça explique aussi, à l'inverse, le fort mouvement anti-pass sanitaire qu'on a connu en France, comme peu de pays en ont connu? Alors, le fort mouvement anti-pass sanitaire, comme peu de pays l'ont connu. Alors, d'abord, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de pass sanitaire. Donc, par définition, ils n'ont pas de mouvement anti-pass sanitaire. Au Danemark, par exemple, il y a eu très peu de mouvements anti-pass. En Italie, un petit peu plus, mais pas tant que ça non plus. Non, mais je crois que ça renvoie... c'est vrai que, en fait... Au bout d'un moment, je veux dire, si on voit tout ce dont on a parlé depuis le début, c'est-à-dire qu'on a la mise sur la touche de toute une série de formes classiques d'expertise, de contrôle, de conseil, on a une aggravation très grande, comme vous le disiez, de la pente présidentialiste du régime, avec, on arrive quand même à des situations qui agacent d'ailleurs aujourd'hui même au Parlement, même s'il a été quand même assez docile dans toutes ses expériences, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, les parlementaires en ont un petit peu assez du schéma répété où le président de la République fait adopter des mesures dans ce Conseil de défense sanitaire non seulement est à la main du président de la République, mais qui par ailleurs fonctionne de manière secrète. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui est à l'ordre du jour, on ne sait pas ce qui a été décidé, qui en fait d'une certaine manière a quasiment supplanté le Conseil des ministres, parce que ce qui est décidé en Conseil de défense est ensuite entériné en Conseil des ministres, alors que c'est quand même le Conseil des ministres qui, au terme de la Constitution, dirige l'action du gouvernement. Ensuite, c'est annoncé à 20h le soir à la télévision par le chef de l'État. Et ensuite, éventuellement, il y aura un débat ou une mise en discussion parlementaire. Je pense que là où les parlementaires s'agacent, il n'est pas complètement incongru de voir qu'effectivement, il peut y avoir aussi des segments de la société civile qui s'agacent. Et je pense que ça a à voir avec ce dont vous parliez tout à l'heure aussi, qui est... le fait qu'on n'a jamais vraiment les critères de la décision publique. Et quand on n'a pas les critères d'une décision publique, c'est difficile de la mettre en question de manière rationnelle. Et donc, il n'est pas complètement interdit de penser que ça favorise aussi des mouvements de contestation plus désordonnés. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Mais puisqu'on, si on nous disait, à tel chiffre, on fera ça, à tel chiffre, à tel indicateur, on fera ça, le pass sanitaire, on nous l'a vendu quand même comme très restreint, dans un nombre très minimal de cas, jamais ça serait pour les actes de la vie courante, puis 2 mois plus tard, c'était le resto, le ciné, etc. Et 4 mois plus tard, c'est pendant 1 an. Donc, en fait, oui, au bout d'un moment, il y a une perte de confiance dans la parole publique, puisque chaque fois, il y a une restriction de liberté ou une mesure, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, qui est prise, qui nous est présentée sous un jour A et qui, en réalité, se révèle d'une teneur B. Donc, si je peux juste faire un compléter, parce que c'est vraiment très important. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... Enfin, à la fois, il y a ce mouvement de résistance, etc. Tout, mais moi, ce qui me frappe encore plus, c'est la manière dont l'État, le gouvernement, traite ce mouvement de résistance. C'est-à-dire que... au lieu d'en prendre acte, au lieu éventuellement de considérer que c'est normal, au lieu de dire, 10, 5, 20% de la population,
le fait d'en faire un vrai problème, le fait de cibler ce mouvement comme étant quelque chose qui non seulement est inacceptable, mais qui en plus est tenu pour responsable à un moment donné des faibles taux de vaccination, tenu responsable des forts taux d'hospitalisation, il y a quelque chose effectivement qui va dans le sens de Stéphanie, c'est-à-dire que toute forme d'opposition, quelle qu'elle soit, est immédiatement sujette à des critiques extrêmement violentes, extrêmement brutales, où on va effectivement imputer à ces mouvements des mots, les pires mots, les mots de sens, de l'orthographe. Ce qui est quand même fascinant. Et c'est vrai, donc, du coup, voilà, on comprend effectivement qu'il y a un mouvement très puissant pour dire, voilà, ce qu'on fait, les actions menées sont les seules possibles depuis le début. Il n'y avait pas d'alternative. Et à partir du moment, effectivement, ce qui rend très difficile une contestation, que ce soit de la part des conseils d'État, conseils constitutionnels, des parlements, autres acteurs, c'est très difficile. Et quand il y a une contestation qui émerge, elle est immédiatement décrédibilisée, attaquée, vilipendée, accusée de bah. Et ça explique aussi, j'en reviens une seconde sur le cas de la Suède, parce que c'est un cas qui m'intéresse, mais rappelez-vous, en 2020 notamment, le degré de passion que suscitait le cas suédois. Les Suédois étaient insultes. Enfin, la réponse suédoise était considérée comme criminelle, irrationnelle, anti-scientifique. C'était de l'eugénisme. Enfin, et c'est vrai qu'avec le regard, on se rend compte que effectivement, ce degré de passion ne s'explique que parce qu'effectivement, ils faisaient pas les choses comme les autres. Et le fait de montrer qu'il y avait une autre voie était littéralement inacceptable, intolérable. Aujourd'hui, effectivement, les critiques sont tombées parce qu'on se rend compte que finalement, les chiffres montrent que cette voie était une alternative. Donc c'est quelque chose de très intéressant, c'est à quel point il était très difficile d'arriver à exprimer des doutes, des questions, une opposition. Et c'est pour ça que nous on avait fait ce petit livre aussi pour dire voilà, il y a un récit qui s'impose et ce récit on cherche pas effectivement à le contester, mais on cherche juste à dire voilà, attention, il y a peut-être, on pourrait raconter l'histoire autrement et il y a peut-être d'autres solutions qu'on aurait pu envisager et or la répétition effectivement à chaque fois de c'est la seule solution donc point est quand même à un moment donné vraiment problématique d'un point de vue démocratique. Et alors la question que vous posez dans votre livre et qui sera ma dernière pour vous laisser du temps pour poser les vôtres, c'est comment tirer des leçons et puis former les décideurs de demain, peut-être Henri Bergeron, si vous avez quelques éléments de réponse. Oui, on a quelques éléments de réponse. Je rajouterai un dernier point, c'est que cette impossibilité d'envisager des alternatives et du débat, elle se réalise sur une substance de politique publique qui n'est pas anodine, qui est celle de la santé. D'autres chercheurs, comme Didier Fassin, ont montré combien la santé était devenue une valeur cardinale de nos sociétés démocratiques individualistes. C'est une valeur très importante, certainement comme l'ordre public, la peur du terrorisme, etc. C'est vraiment une valeur forte et cette valeur, elle est renforcée par un discours corporatiste, très bien organisé, très présent, y compris à l'Assemblée, qui est celui de la profession biomédicale. Voilà, je pense qu'il faut le prendre dans un ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on eût pu avoir par exemple, les états d'urgence sur l'écologie ou l'état d'urgence sur, je ne sais pas moi, la pauvreté dans les quartiers. Je ne suis pas sûr que ça puisse s'imposer de la même façon, parce qu'on a aussi donné une tribune dans les médias absolument considérable à un groupe particulier, qui sont les médecins, et notamment les médecins hospitaliers, au détriment d'autres professionnels de la santé que sont ceux de la santé publique et qui attirent justement... Donc ça me permet de voilà, je pense que c'est pas un hasard que ce soit sur ces deux thèmes-là, menace de la sécurité publique, terrorisme, et menace de la santé, sécurité sanitaire, que puissent s'affirmer aussi fortement des impositions de discours que puissent être très vite mis... Voilà, on est un hérétique quand on attire l'attention sur des possibilités alternatives...
Nous, on a été très étonnés par le fait que, bon, il y a eu le premier confinement, et puis très vite, les économistes, un certain nombre de sociologues, des spécialistes de la pauvreté, des spécialistes des inégalités sociales, des spécialistes du chômage, des spécialistes, ont dit, cette épidémie, elle a ceci de particulier quand même, c'est qu'on a pris des mesures qui risquent d'avoir des conséquences à plus long terme, qui sont peut-être au moins aussi importantes que les conséquences de l'épidémie elle-même, en termes de vie dégradée, en termes de dépression, en termes d'état de santé psychologique, là aussi abîmé. Donc tout ça va se traduire aussi d'un point de vue sanitaire. Et à aucun moment n'a pu se poser, n'a pu être organisé un débat démocratique autour de ces questions-là qui sont que, voilà, on a sauvé des vies aujourd'hui et maintenant, au prix peut-être de vies qui seront dégradées plus tard chez certaines populations, parce qu'on voit bien aussi que ces mesures, à la fois l'épidémie touchait des populations marquées par un certain nombre d'inégalités, de difficultés, mais également les mesures. Et jamais ce débat n'a pu être organisé. C'est une question extrêmement difficile. Je ne sais pas si je suis capable d'y répondre moi-même. C'est vraiment mais il n'y a qu'une seule voie, c'est celle. Et la prééminence qui a été accordée une fois de plus à une vision biomédicale de la santé curative dans la protection du corps lui-même. Et une vision de santé publique qui, au contraire, aurait insisté sur toutes les autres dimensions. Voilà, la santé publique, elle montre, comme on le disait juste avant, que finalement, les gains d'espérance de vie qu'on a réalisés sur les 50 dernières années, ils sont imputables à une vingtaine de pourcents au système de santé, aux médicaments, et que tout le reste est beaucoup plus imputable à l'amélioration de l'hygiène, le logement, l'emploi, la lutte contre les inégalités, etc. etc. Donc, un des enseignements, c'est certainement de mettre cette réflexion de la santé publique, mais je pense qu'on peut faire, on peut l'étendre sur les questions écologiques, au cœur de la gestion d'un certain nombre de politiques publiques. De ce point de vue-là, il y a certainement la question, on en parlait avec Franck Chauvin il n'y a pas longtemps au Conseil, le président du Conseil de la Santé publique, d'augmenter la littératie des futurs décideurs publics, à la fois, et des médecins évidemment, à la fois sur, j'ai envie de dire, sur comment se fait la science, sur ses difficultés, ses incertitudes, sur le fait qu'elle ne donne pas des réponses immédiates, sur le fait que chacune des disciplines attire sélectivement l'attention sur certains aspects, mais qu'on ne peut pas toujours dire qu'une discipline domine l'autre, et également une littératie en santé publique pour éviter que ne soit imposé un cadrage purement biomédical d'une difficulté autour simplement d'un déficit de capacité de lit à l'hôpital. Voilà, ça peut être un premier point. Je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, j'aurais d'autres idées, mais ça peut être un premier point d'amélioration de la formation des décideurs publics de demain. Un petit cours aussi peut-être sur la complexité du système de santé qui est multipolaire, qui est à la fois public, mixte, privé, où il est difficile maintenant de savoir où se trouve le centre. Ce serait aussi peut-être pas mal. Pas mal de gens nous ont dit, est-ce que vous croyez que s'ils n'ont pas eu recours aux dispositifs existants, c'est pas aussi parce qu'ils ne les connaissaient pas? Peut-être, voilà, peut-être, parce que c'est vrai qu'il est complexe. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. Au revoir. Merci beaucoup.